Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo très originale puisque je vais goûter des donuts. Évidemment, je vais pas manger tout le paquet parce que ça serait beaucoup trop et je vais prendre beaucoup de poids. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais manger un donut de chaque paquet. Et ensuite, si j'aime énormément, bah, par exemple, un type de donut, je pourrais en manger un deuxième. Du coup, voici à quoi ressemblent les donuts que j'ai choisis. Il faut savoir que ce sont des mini donuts. Je sais pas si vous avez remarqué, mais ils sont plus petits que ceux qui sont assez courants, en tout cas les basiques. Et je les ai choisis parce que vous pouvez remarquer que ceux-là, ils sont très colorés et j'avoue que c'est très tentant. En fait, j'ai envie de savoir si ceux qui sont colorés sont extrêmement bons ou pas. Et ceux-là, bah, évidemment, ce sont ceux qui sont assez courants au chocolat, voilà. Donc, on va essayer de les goûter un par un. Alors, du coup, ce que je vous propose, c'est de commencer avec le donut au chocolat. Après, on fera celui-là, je pense. Alors, il s'agit d'un donut glacé avec décor flocons de chocolat au lait. Donc, en fait, je pense qu'ils veulent dire, c'est qu'il y a du chocolat au lait, donc des petits morceaux qui ont été posés dessus, comme vous pouvez le voir, avec un petit fondant de chocolat dessus qui a été glacifié, qui a été gelé, si vous voulez. Mais là, le problème, c'est que c'est un petit peu fondu à cause de la chaleur puisqu'il fait à peu près 28 degrés. Donc je vais essayer de manger vite parce que si ça fend trop, je pourrais plus le manger. Excellent. Franchement, il n'y a rien à dire. On sent le goût du chocolat. Il y a aussi le goût du chocolat au lait, mais c'est moins marqué puisqu'il y a le chocolat noir qui est beaucoup plus présent. Alors à l'intérieur, c'est un petit peu sec, mais je croyais qu'il y avait de la sauce, mais je dois confondre avec une autre pâtisserie. Mais c'est très très bon. Je vais pas vous mentir que je préfère ça que les macarons. Il n'y a rien à dire. Alors du coup, ce que je vous propose, c'est de tester ce donut. Il faut savoir que c'est un donut au chocolat Milka. Donc, il m'a coûté très très cher. Il a intérêt à être très très bon. Voilà, donc c'est un petit peu sec, comme l'autre. C'est fait de la même manière, parce que c'est un donut. Alors, comme vous pouvez le remarquer, il y a du chocolat fondant au lait qui a été mis dessus et qui a été glacifié. Et il y a des petits morceaux de chocolat au lait. Je sais pas si vous voyez bien. Pour le moment, j'ai pas grand-chose à dire, à part que je kiffe. En vrai, les deux premiers donuts, ils sont trop bons. Je vais pas vous mentir que je préfère ça que les macarons. Là, en tout cas, j'ai adoré. C'est un petit peu sec, parce que voilà, à l'intérieur, il n'y a pas de sauce. Je pense qu'ils auraient dû mettre de la sauce pour qu'il y ait un petit peu plus de goût. En tout cas, une crème, parce que ouais, la sauce, ça fait plus en mode fast food. Mais sinon, c'est très très bon. Alors, on va tester celui-là. C'est vrai, j'ai envie de voir quel goût il a. C'est un donut avec glaçage rose et décor de vermicelle en sucre. Évidemment, en voyant ça, je sais pas si vous avez remarqué, mais ça rappelle un peu la jeunesse. Genre, les anniversaires. Vous savez, les gâteaux, il y a des espèces de petits trucs blancs qui sont posés dessus, des trucs colorés. Et ben, ça me rappelle un petit peu ça, parce que moi, j'avais des gâteaux comme ça lors de mon anniversaire. Donc, je me suis dit, ben, on va essayer de voir si j'aime bien, parce qu'il faut savoir que quand j'étais gosse, je kiffais tellement ce genre de gâteau. Ben, là, on va tester ça avec des donuts. En vrai, c'est validé. Excellent. Et maintenant, on va passer au dernier donut. Putain, j'arrive pas à le tenir. Hop là, voilà. Qui a complètement fondu. Alors là, je vous avoue, c'est un petit peu liquide, ouais. Ça va tomber, quasiment sûr. En tout cas, je vais vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans, puisque c'est un donut avec glaçage blanc et décor coloré au sucre. En fait, c'est des morceaux de sucre colorés, c'est ça, en fait. Je suis tenté, allez. Pareil, alors les morceaux de sucre, bon, ça passe. Par contre, la crème fondante qui a été mise dessus, ça fait très industriel comme la crème rose, puisque ce sont des choses qui ne sont pas naturelles. Quand tu le manges, on sent qu'il y a du colorant, c'est assez bourré de produits. Par contre, les deux donuts au chocolat, ils font beaucoup plus naturel parce que c'est fait à base de chocolat, même si ça reste quand même des sucreries, évidemment, faut pas en abuser. Mais on sent qu'il y a une différence. Bon ben ça y est, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. D'ailleurs, je vais mettre une petite note pour le fun. Je vais mettre la note de 9 sur 10 parce que rien n'est parfait. Mais franchement, c'était trop trop bon, je vous le recommande. Alors pour vous dire, je les ai pris à Auchan, peut-être qu'il y en a à Leclerc. Mais voilà, ça fait plaisir. D'ailleurs, n'hésitez pas à me faire savoir dans les commentaires si vous aimez ce genre de vidéo. On va se retrouver pour une prochaine vidéo, je vous dis à très vite. Pourquoi je fais ça? Et on va se retrouver à très vite, ciao.